Bonjour à tous, Gilles agriculteur du Loiret. Bon bah comme vous pouvez voir derrière moi, je suis pas en France, pourtant il y a un drapeau bleu blanc rouge mais pas dans le même sens. Et oui, je suis sur une ferme en Hollande et une ferme très particulière puisque c'était la ferme où est né mon grand-père. Alors je suis d'origine hollandaise, mes grands-parents sont arrivés entre les deux guerres en France, donc moi j'ai très peu connu et là je suis venu découvrir un petit peu la maison de mon grand-père et la ferme, c'est un cousin éloigné qui maintenant a la ferme. Et on va aller visiter cette ferme. Donc là on est bien aux Pays-Bas, vous pouvez voir derrière un moulin, vous pouvez voir des champs tout plats. On va aller découvrir cette ferme qui produit des oignons, qui produit des betteraves, qui produit des pommes de terre, qui produit des endives, enfin bref, plein de choses. Donc, venez découvrir cette visite. Donc, la ferme on the farm, you make onion, 30 hectares, une soixantaine d'hectares de patates. Sugar beets, 20 hectares sucre beets. Voilà, une vingtaine d'hectares de betteraves à sucre. Et on a 30 hectares of wheat. Une quarantaine d'hectares de blé et environ une vingtaine d'hectares d'endives. Donc voilà un petit peu la ferme. Donc il y a en tout 160 hectares. Donc nous voici à côté du sol. On voit un sol. Des sols qui sont très faciles à travailler, très riches. On retrouve bien les sols des îles hollandaises. Et là, on voit vraiment toutes ces histoires d'eau. Donc, ils font des rigoles pour pouvoir évacuer l'eau parce que on est vraiment sur des sols qui sont très humides l'hiver. Donc là, il y a un couvert et l'année prochaine, next year, it will be on this... Vetlof, donc là ce sera des endives ici. Donc voilà. Donc ici on est dans la ventilation pour les box de pommes de terre. Donc là il y a les ventilateurs au-dessus et ça permet d'envoyer l'air dans chaque box ici. Et donc il y a 6 box en hauteur. There is six boxes on the top and on the 13 boxes in a row. 14 rangées de box en hauteur et 1, 2, 3, 4, 5 en largeur. Donc ça fait beaucoup. Yeah. Puisque dans chaque box on met une tonne. Et ici on est dans la partie ventilation pour les pommes de terre en vrac. D'ailleurs, on les voit ici. Donc là, c'est un canal. Et pareil, avec le même système de ventilation au-dessus. Et on va aller voir comment c'est au-dessus. Donc nous voici au-dessus du stockage de pommes de terre, là, ici, en vrac. Donc là, ici, il y a combien de tonnes de pommes de terre ? How many tonnes of... 500 tonnes de pommes de terre. Donc en frites, ça fait encore pas mal. Et donc, à côté, il y a les palox. On voit que là où les pommes de terre sont en vrac, c'est moins haut. Parce que y a un risque d'abîmer les pommes de terre du dessous. Pour la qualité. Bon, ouais. Et en palox, ils peuvent mettre un petit peu plus, quelques palox en hauteur. Donc là, on est dans le deuxième stockage avec toutes les pommes de terre. Et donc, on peut stocker beaucoup plus haut parce que là, il y a quasiment 2 à 3 mètres de plus qu'à côté. Parce que là, on peut voir les pommes de terre à côté. Et ici, ça permet d'en mettre beaucoup plus. Par contre, ça fait beaucoup plus de travail de manutention, de les mettre en caisse et de les utiliser comme ça. Donc, ces pommes de terre sont en palox pour pouvoir les conserver beaucoup plus longtemps. L'objectif est de pouvoir les vendre quasiment au mois de juillet ou août. Donc, c'est des très longues conservations. Le fait que ce soit en palox et puis avec tout le système de ventilation permet de vraiment garder les pommes de terre jusqu'au dernier moment, quasiment sur un an. Donc ça permet d'avoir des pommes de terre toute l'année. Alors là pour l'aération, ici il y a deux volets et donc ils peuvent choisir soit de reprendre l'air intérieur comme là en ce moment ou soit d'aller chercher de l'air extérieur en ouvrant ce volet, en fermant ce volet ici. Donc là, on est à 7,50 m de hauteur et à 6 palox. Là, on peut voir le fond et ça permet vraiment un stockage assez impressionnant.
ceux qui sont en table, vous les vendez quand ? Bon, par contre, il y a des pommes de terre qui sont... J'ai pas pour l'Afrique. Donc ça, c'est les le matériel pour les oignons, donc le semoir à oignons et la planteuse à oignons, parce que vous plantez, you're planting some small... Small onions, donc. We grow in tots, Donc ça, c'est une planteuse pour pouvoir faire du bulbille, donc du petit oignon bulbille. Donc là, en matériel, il y a un enrouleur pour pouvoir irriguer. Et ensuite, un deuxième enrouleur ici, Iri France. Et derrière, it's the pump for the irrigation. The scope. Donc en fait, ils pompent dans la rivière qui est le long, puisque là, on est dans une île, et donc il y a pas mal d'eau autour. There is many water on the... Around the field. Donc il y a beaucoup d'eau tout autour des champs. Et donc là, cette pompe permet de pomper directement et d'irriguer. And you make many irrigation, or it's just when there is a big problem? Yeah, when it's too dry, okay. Yeah, we are... Alors, ils irriguent quand même beaucoup moins qu'en France, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un pays où il y a beaucoup plus d'eau. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la pompe, l'enrouleur peut directement être attelé derrière la pompe. Et donc, lorsqu'ils ont une rivière juste à côté du champ, ça permet directement, ils posent la pompe, l'enrouleur, ils tournent l'enrouleur, déroulent l'enrouleur et ils peuvent directement irriguer. Alors que y a des places où par contre il faut mettre des tuyaux, et là ils mettent la pompe au bout des tuyaux et ils envoient l'eau comme nous on fait. Mais lorsqu'il y a les canaux qui sont juste à ras des parcelles, ça permet de directement, même pas d'étler, juste faire directement, on voit la sortie de la pompe qui va directement dans l'enrouleur. Bon, alors ça c'est beaucoup plus connu, donc un Fendt 720, donc moi j'ai exactement le même. Donc là, ici, on a une ramasseuse à oignons. Et puis, on va aller voir celle pour les pommes de terre et les endives, qui, a priori, est beaucoup plus grosse. On va aller regarder ça. Bon, un deuxième tracteur, un Fendt 516, comme celui de la Kuma. Alors, tout est en Fendt. Et là, une tonne à traiter en 40 mètres de large. Ça, on en voit rarement des comme ça. C'est étonnant, la rampe n'est pas du tout comme les rampes qu'on a en France. Donc c'est une rampe beaucoup plus carrée, mais elle fait 40 mètres de large. Et donc ça, c'est pour pouvoir remplir les palox. Donc ça permet de vider directement les palox. Ça permet de vider les pommes de terre et d'envoyer dans un palox ou dans l'autre de chaque côté. La particularité, c'est que ça lève le palox, ça le met en travers pour que les pommes de terre tombent de très bas. Et plus le tas de pommes de terre commence, plus ça rebaisse le palox et ça permet de ne pas abîmer les pommes de terre. Donc, autre outil assez spécial, c'est un tapis automoteur qui permet de prendre directement dans le tas de pommes de terre et d'oignons. Donc, il s'assoit là. Avec la petite télécommande, ça permet d'avancer, de reculer. Et avec le tapis, ça permet de sortir l'ensemble du tas, soit d'oignons, soit de pommes de terre, donc directement pour pouvoir le vider, là comme on a vu tout à l'heure, lorsque c'est en vrac. Donc là, ici, on a une rigoleuse pour pouvoir faire des rigoles quand ils ont trop d'eau dans les champs, pour pouvoir évacuer l'eau vers les canaux, en fait. Ensuite, un broyeur d'accotement et du matériel de travail du sol. Et après, c'est une buteuse pour les pommes de terre, endives, d'accord. Bon, ensuite, encore une remorque, une Joskin de 16 tonnes. Et l'arracheuse à pommes de terre et à endives. Et en fait, il change. Là, ici, elle est en endive. Là, c'est en endive, donc il y a tout l'avant qui change et l'arrière reste pareil, en fait. Yes. Et là, vous remettez tout en benne. Yeah. The car is riding next. Okay. Et après, vous mettez en palox une fois que vous arrivez dans la ferme. Yeah. Okay.
Donc là, sur la machine, il y a un moteur hydraulique dans toutes les roues pour pouvoir justement s'en sortir dans les conditions un peu humides. Bon, il y a encore quelques tracteurs. Donc là, il y a un... C'est quoi ? C'est un 820. Ah, c'est les anciennes générations. Et celui-là, il est assez impressionnant. C'est un 415, mais avec des pneus très très larges. Donc ça, c'est la machine pour planter les pommes de terre. C'était l'ancienne qui a plus de 30 ans. Et donc ça y est, ils viennent de la changer pour une qui fait directement la butte, beaucoup plus moderne, mais elle n'est pas encore arrivée. Bon ben voilà, cette visite de ferme, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous montrer cette ferme d'origine familiale. J'ai été très, très heureux de pouvoir faire cette visite. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis essayons de découvrir encore plein de nouvelles agricultures. Allez, à bientôt.